Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans The House of the Duo saison 1, épisode 4. Donc il y a de nouveau un nouveau duo qui va arriver, donc on va se leur porter, c'est parti. Coucou, on est le duo blanc, donc moi c'est Jimmy, j'ai participé à Secret Story Playmobil saison 40 et quelques. J'ai 30 ans et voici ma sœur. Bonjour, je m'appelle Nathalie. J'ai 25 ans et nous deux on est chiants. Donc en fait moi je fais chier les gens et je suis très honnête. Lui il est très foutu, ça énerve les gens. Et on est content quand on énerve les gens parce que c'est ce qu'on aime. Ouais, et du coup vu qu'on énerve les gens et qu'on est chiants, on compte être fort et faire chier les gens en même temps. Mais allez, acceptez-nous, merci. Donc bonjour tout le monde, donc voici les deux nouveaux, Jimmy et Nathalie, donc ils vont rester avec nous. Faites-moi une place, merci. Donc voilà, moi je vous laisse et après on fera l'épreuve. Ok, je sens que vous allez être pire que Julie et Nicolas. Quoi, c'est qui eux? J'apprends que les deux éliminés c'est apparemment une Julie et un Nicolas. Mais en fait, mais qu'est-ce que je m'en fous en fait? Je m'en fous d'eux, mais ça se fait foutre quoi. Je les aime pas, je les connais pas, qui me parle de... Oh. Mais je m'en bats avec deux, je les connais pas. C'est où notre chambre? Vas-y, viens, tu me on va voir notre chambre là, j'en ai marre. Ouais, trop, alors on va voir notre chambre. Ah, c'est où? Donc, si vous voulez, normalement, on partage nos chambres. Donc, là, il y a le confesse. Et vous, en fait, votre chambre, c'est ici. Ici, on a un petit jardin commun. Et en haut, nous, on a notre chambre. Ok, d'accord. Bon, on prépare nos affaires et tout. Oui, oui. Ah, mais je vous jure, on a pas de chance. Ils ont l'air chiants. Oh, punaise. Bien joué, frérot. On a réussi à les faire chier. Ouais, t'as raison, allez. Allez, on met les matelas. Ouais. Moi, je me mets près de la cheminée parce que c'est un peu plus frileux. Ouais, bah, comme tu veux. Attends, viens, on va simuler une fausse dispute. Tu vas faire tu vas faire le focus, tu vois, tu vas dire ouais les chants de ma soeur et là j'arrive et je crie partout. Ok, allez, on fait ça. J'espère qu'ils nous ont pas entendu, hein. Non. Je suis discrète. Ouais. Discret. Allez, c'est parti. Bonjour. Ça va? Oh oui, mais bon, ouais, les chants de ma soeur là, elle fait chier, elle dort. Tant mieux parce que là elle me fait chier ma soeur, mais elle est chiante, je vous jure, c'est une grosse focus cette meuf, hein. Elle va faire chier pendant l'aventure, hein. Mais écoute, si elle nous fait chier mais pas toi en fait, ça nous changera rien parce qu'on va quand même t'éliminer toi au lieu d'elle. On va quand même vous être en duo, donc voilà. Mais bon, pardon, tu parles de moi là. Ah, tu parles de moi, c'est ça? Tu parles de moi? Non mais en fait tu devrais te calmer. Tu vas te calmer. Non, j'ai foqué, moi. C'est toi qui es foqué, là. Et surtout, les côtés pas. C'est un gros focus, ce mec. Il fait que mentir et tout. C'est un sympa. Mais non! Tu ne parles pas comme ça, toi. Oh. Je vais vous calmer, ok? J'ai rien fait. Je me reçois un autre. Et là, la nouvelle arrivée sur la tronche. Non, mais sérieusement, ils vont se calmer, les deux. Hein. C'est pas que le mec. C'est pas que la fille qui va se calmer. C'est les deux, ils vont tout de suite se calmer, hein. Oh, mais ils vont se calmer, là. Moi, je m'en reçois la fille dans la tronche, là. C'est bon, hein. Ils vont se calmer, hein. Ah, mais vous allez vous calmer, là. Moi, je vais pas me recevoir la fille dans la tronche, hein. Oh, c'est bon, hein. Ok. Moi, je vous aime pas. En pensez tout. Bon, maintenant, vous allez vous calmer, vous petits salopards. Voilà, vous avez dit, c'est une grosse focus, cette meuf. C'est une grosse focus. Oh, en fait, vous êtes quoi, en vrai? On est des connaissances. Ouais, voilà, en fait, il a dit des connaissances parce qu'en fait, normalement, on a bien cette pierre ennemie. Voilà, pour montrer, en fait, un peu. En vrai, en réalité, on est frères et sœurs. En vrai, on est pierre ennemie. Ils nous ont fait une blague là et en fait, c'est parce qu'il y a quelques mois, on était meilleurs amis et qu'en fait, on s'était inscrits. Et bah, ben, on est pierre ennemie. Ouais, je suis trop dégoûtée là de me retrouver avec lui. Ah oui, ben, on comprend, hein. Ça se voit que vous êtes pierre ennemie. Mais sérieux, mais vous allez vous calmer, toi là. Vous allez tous les deux vous calmer, ok? Ah mais c'est bon, moi j'ai rien fait, moi je suis gentil. Non, t'es pas gentil, tu nous fais chier.
Je suis revenu. C'est trop bien. Je crois qu'on les a saoulés. Hein. Ah, cool. On les a saoulés. Ouais. Enfin, je les ai saoulés. Enfin, on les a saoulés. Trop bien. J'ai mis la valise en haut. Oh, cool. Oui. Je vais en mettre. Cool. Voilà. C'est bon. Et du coup, on va refaire des coups comme ça. Ouais. Trop. Mais tu vois, c'était trop marrant. Genre. Ils ont cru vraiment et tout. C'est trop bien. Vraiment, j'ai kiffé ça. Ouais, trop. Ah, j'en ai marre, moi. Tiens, je vais écouter à leur porte pour savoir ce qu'ils disent. Bon, je vais écouter. Oh, Dieu, non. Ouais, si tu veux, tu vas faire genre des focus et tout. Ouais, trop. Attends, mais là, je sens mon portable. Ouais, du coup, tu vas faire genre tes focus et tout. Enfin, tes focus. Ouais, on va faire le focus et tout. On va faire le focus après la fin de leur dire. Et après, on va les faire chier. Enfin, moi, je leur fais déjà chier en fait. Moi, je vais être. Moi, je vais dire tout ce qui est vrai. Hein. Moi, je vais dire la vérité et tout. Je vais pas faire un focus. Je vais être méchante et tout. Mais ouais, trop. Ça va être trop cool en fait. Ouais, trop. Putain. Attends, j'ai entendu des bruits. J'ai entendu des bruits, moi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a entendu. Non. Là, s'il y a quelqu'un qui nous a entendu, on est mort. Là, ils sont démasqués. Et pourtant, si. Voilà, c'est bon, vous avez tout entendu. Oh, non, mais c'est sérieux. Ouais. Bon, eh ben, moi, je vais aller les voir. Je vais aller les voir. Il y a quelqu'un qui arrive. Tu m'énerves. Ouais, toi aussi. Non, mais vous inquiétez pas, vous avez des masqués, hein. C'est quoi ce téléphone, là, l'enregistrement? Quoi? Pardon? Vous nous avez explosé? Oui, on vous a explosé. Vous êtes démasqué. Vous allez être éliminé. Ah non, parce que nous, on est bons épreuves, ok? On s'appelle la vieille bébé comme toi. Pardon, il y a le bébé, moi. Oh, tu vas voir. Tu vas voir tout, on est tout tué. Tu vas voir. Tu vas voir, là, tu vois, là, il y a un espace. Là, on peut très bien tomber ici. Je vais te pousser. Je vais te pousser. Tu vas voir. Alors, tu t'excuses. Non, je vais pas l'excuser. Oh, tu veux pas ça? Ok, c'est mon frère. C'est pris pour qui, la meuf? Oh, il s'hallucine. Non, mais c'est pour qui la meuf là de rentrer dans notre chambre tranquille comme ça? Non, mais sérieux, elle va se calmer. Hein. Tu vas te calmer et tu vas retourner dans ton salon pourri là, ok? Non, je me calme pas, ok? Je suis une doyenne. Tu me parles pas comme ça. Non, mais en fait, je parle comme je veux. Oh, tu m'énerves. En plus, c'est déjà tout ton bordel là. Non, mais sérieusement. Vas-y, frérot. Non, et en fait, non, tu me parles pas comme ça, je suis désolée. Non, tu me parles pas comme ça. Je te parle comme je veux, Léa, non. Je crois pas que tu me parles pas comme je veux. Ben si. Ben non. Hé, tu vas... Toi, je vais te tuer, tu vas voir. Toi, là. Oh, toi. Et toi, tu te jure, je vais te faire tomber par là. Non, mais en fait, tu t'es pris pour qui, en fait? Tu croyais vraiment que t'allais me faire tomber, en fait? T'es pas plus forte que moi, je te dis. Oh, ce que si. Tu t'excuses? Non, mais je vais pas m'excuser, moi. Mais... Tant pis. Voilà, c'est moi, il m'en prend pas, il est tombé. Mais d'où tu fais tomber mon frère, toi? D'où? D'où? Voilà, voilà, c'est bon, là, j'en ai marre. Ah, oh, non, mais elle a problème mental, cette meuf. Ouais, trop. Ah! Non mais sérieux, elle a problème hein. Problème hein. Mais ouais, trop. Attends. Bon mais là j'en peux plus. Moi là je n'en peux plus. Elle va voir ce qu'elle va voir. Elle va voir quoi? Là elle va trop loin. Non mais tu vas faire quoi en fait? Non, là j'en peux plus de cette meuf. Elle s'est cru. Oh. Non mais là elle s'est cru chez bébé. Ah non pardon, vu que c'est elle bébé. Tu vas faire quoi? Mais je vais l'engueuler, l'herbe. Voilà, j'ai mis tout en bordel, comme ça ils vont tout ranger eux-mêmes, là, ils me saoulent, hein. Non mais j'hallucine. Regardez, elle a mis tout en bordel, la meuf. Non mais là, c'en est trop. Non mais elle est sérieuse. Elle est sérieuse, en fait. Elle est sérieuse, non mais, non, là, et non.
Oh, toi là, j'en ai marre, toi là. Tu vas venir ranger ton scatamé. Non, mais ça vous dérange, je suis désolée. Moi, je suis bien maniaque. Je veux faire bien le ménage. Et vous, vous êtes des petits insolents. Vous méritez ce que vous méritez. Tu mérites un palais dans la tronche, mais... Ah, fermez-vous. Fermez-la, ok? Je vais finir par vous mettre le balai dans la tronche. Ça vous calmera un peu. Oh, mais tu t'es pris pour qui, en fait? Ouais, non, mais là, tu m'as vu trancher. Mais tu vas voir ce que... Voilà, tenez, je vais mettre le balai, vous voulez le balai? Tiens, tiens, tu le prends, le balai, voilà. Tu vas le prendre, le balai, tu vas tout nettoyer. Tu vas me prendre ce balai et tu vas me faire tout le ménage, ok? Petit insolent! Vous savez quoi? Vous voulez pas le prendre, le balai? Eh ben, je vais le prendre. Mais je vous préviens, avec moi, le ménage, il va être vite fait. Je vais même prendre le sac poubelle. J'en ai marre de vous deux. Alors, on prend le sac poubelle et on va tout jeter. Voilà, voilà, c'est bon, ils sont contents. Voilà, maintenant on jette tout. Allez, c'est parti. Oh, une jolie robe. Allez, on jette. Oh, joli. Oh, allez, Rose, allez, on jette. J'aurais pu le garder, il était joli. Mais non, allez, on jette ça. Ce petit haut noir, là, il ne mettra pas, il ne va même pas. La petite robe, on jette. La robe, on jette. Voilà, moi, je jette tout. Allez, le sac, on jette. La valise, on la jette ou pas? Il n'y a rien dedans. De toute façon, on a tout jeté. Allez, on jette. Voilà, j'ai vite fait le ménage. Le balai, on le prend, on le met là. Et le sac poubelle, je vais le prendre et je vais l'emmener à la déchetterie. Il me saoule, tout le monde. En fait, on veut pas vous, ok? Vous êtes chiant. Mais pilule, hein. Voilà, le sac poubelle à jeter. Y a que du ménage là-dedans. Mais non, y a que toutes vos affaires. Vous croyez quoi? Attends, vous avez fait le bordel. Vous voulez même pas ranger votre bordel? Ben écoutez, on met tout à la poubelle, nous, hein. Eh oui, exactement. Il a compris, Théo. Il est intelligent. Ouais, je mets tout votre ça à la poubelle. Non, mais tu n'aides pas nos affaires là. Ouais, c'est pour qui la meuf? Oh, toi, tu fermes ta. Je vais aller la fermer, ok? Si vous voulez pas que je jette. Vous avez qu'à tout ranger. Donc, vous laissez le choix. Vous voulez pas ranger, je jette. Non, tu vas nous le laisser. Je sais que vous allez pas ranger. Allez, à poubelle. Moi, je vais jeter, hein. À poubelle, allez. Tiens, le camion de poubelle arrive. Je le laisse là et vous le prendre. Voilà, ça leur apprendra. Voilà, le sac poubelle, je l'ai jeté. Le camion poubelle, il va passer. Quoi? Oh, le camion poubelle. Ah, c'est Rocky qui n'a pas jeté nos affaires. Ah, il a jeté nos affaires. Sérieuse, elle a jeté nos affaires. Eh, tu as jeté nos affaires là, t'es sérieuse? Ouais, bon, allez, maintenant vous faites chier, vous allez dans votre chambre et vous allez chialer ailleurs, ok? Putain, on serait jamais venu dans cette aventure si je n'avais su que ma robe préférée là, elle aurait été jetée. Mais ouais, trop. La loose. Bien fait pour vous, allez, dégagez dans votre chambre, vous me faites chier. Maman, ils vont faire une épreuve. Ils vont choisir une personne de leur duo qui va tenir sur ses poteaux. Oups. Donc, bienvenue à l'épreuve. Donc, il y a une personne qui n'a pas été... ils ont dû choisir une personne de leur équipe. Donc, voilà. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 poteaux. Donc, une personne ne va pas faire l'épreuve et elle va être directement dominée. Bon, maintenant je vais vérifier dans vos mains lesquelles ce sont, la boule noire. Et y a, donc il y a du coup 7 boules blanches et une boule noire. C'est parti. Alors, blanche, blanche, blanche. Oh non! Blanche, blanche, noire. Oh non. Bon, mais du coup blanche et blanche, oui. Désolé les restes, mais c'est vous qui perdez. Vous nominez du coup Théo. Non, mais cette blague là, j'en ai marre! En plus, vous avez servi dans ce sens, là. Vous aurez servi dans l'autre sens, ça aurait été elle, là, qui aurait été nominée. Non, mais c'est sérieux, là. Moi, j'en ai marre. On est nominée. Donc, la...